Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'avais une petite question pour vous aujourd'hui. Je me demandais, est-ce que si je vous dis au niveau des îles de Sorel, si je vous parle que le lac Saint-Pierre est reconnu par l'UNESCO, est-ce que vous étiez au courant? C'est reconnu, oui, comme étant une des réserve de biosphère unique. C'est une immense biodiversité avec les 103 îles qui sont encore aujourd'hui à 90 % exempts d'empreintes humaines parce qu'elles ne sont pas accessibles. Donc, c'est quand même très bien pour le lac Saint-Pierre. C'est aussi le plus grand regroupement d'îles du Saint-Laurent. Et mieux encore, c'est il n'existe pas de meilleurs endroits au lac Saint-Pierre pour contempler le majestueux Héron, le saviez-vous? C'est la plus grande importante héronnière en Amérique du Nord. Moi, je ne savais pas ça, j'ai appris ça aujourd'hui. Donc, je veux vous amener à Sorel avec une activité estivale qui est vraiment agréable à faire, c'est Statera. C'est un gros dôme et il y a une croisière aussi d'affiliée avec ça. Donc, la croisière, c'est à bord du bateau Nébézec. Ce bateau-là a deux ponts. Il peut contenir 67 personnes. La configuration vous permet d'avoir une très belle vue sur tout l'ensemble du fleuve lors de votre balade. Il y a une section ouverte au premier pont où on peut s'asseoir. Il y a des breuvages, des grignotines qui sont aussi disponibles. Donc, c'est une très belle activité à faire, pas très loin de chez nous, à Sorel. Ensuite de ça, il y a l'expérience dôme. On a vu le dôme de l'extérieur et maintenant, on le voit de l'intérieur. Le dôme, il présente 4 films projeté sous le dôme, vraiment à 360 degrés, de 11h à 20h le soir, excusez. C'est divertissant, c'est éducatif et c'est vraiment pour toute la famille. Donc, c'est une belle expérience à faire. Et il y a aussi le yoga immersif qui est possible de faire à ce même endroit, au dôme. C'est une projection, encore là, de 360 degrés des lumières, de la musique qui est inspirante avec quelqu'un qui vous guide pour faire les mouvements de yoga. Donc, une belle activité, yoga immersif. Ensuite de ça, on a le parcours interactif au Statera qui permet de connaître mieux les archipels, les 103 îles et les archipels du lac Saint-Pierre. Le parcours dure 45 minutes. Superbe activité à faire avec les enfants ou si on est en couple aussi, parce qu'on apprend énormément de ces petites activités-là. Donc, vous allez apprendre les joyaux naturels des 103 îles qui forment la réserve de la biosphère du lac Saint-Pierre. Voici ce qui était l'activité d'aujourd'hui, qui est Statera, l'archipel fabuleux qui est situé à Sorel. N'hésitez pas à vous rendre sur le site Internet pour pouvoir acheter vos billets. Je vous invite à ne pas rater mes vendredis on se lâche lousse et mes dimanches, ma question du jour. N'hésitez pas à commenter et tout ça, c'est vraiment amusant. C'est sur ma page Facebook que vous pouvez suivre, Mylène Tétrault, conseillère en voyage. En attendant, je vous dis à samedi pour une nouvelle capsule avec Mylène Voyage. Bonne semaine!